to your new place. Anything you want. Ain't like we're short on money. I want a new place. I got everything I need right here. How many times, Elijah? Shut your mouth. We got a visitor. Calmer, grand-mère. Elle est folle. Elle est folle. Elle est complètement dingue, cette femme. L'autre fois, elle m'a cassé la tête et puis là, elle ramène ses hommes. Ou plutôt ses fils. Elle va se taire, la vieille. Chut, tais-toi. Du calme. Oh, mais c'est pas possible. Mais c'est quoi cette famille de malades? Mais vraiment, c'est quoi cette famille? Bon bah, bienvenue sur Red Dead Redemption 2, les amis, pour la partie 19. On va continuer notre aventure, vous allez voir, on va faire beaucoup d'exploration dans cette partie. Vous allez voir, il y aura des trucs encore à explorer tout près de West Elizabeth, vous allez voir, beaucoup de choses. Wow, Avaster, la vieille. Je viens de tuer ses trois fils, là. Enfin, il me semble, hein, ses trois fils. La star, là. L'autre fois, elle m'a énervé parce que je suis venu chez elle, parce qu'elle m'a dit, ouais, prends ça, parce que je pense qu'elle a cru que j'étais un de ses fils, mais, elle a cru que, ouais, justement, que j'étais l'un d'eux, et puis, en fait, elle s'est énervée complètement l'autre fois, lors de la partie, il me semble, 17, un truc du genre par là, 17 ou 16. Mais vraiment, elle a pété, mais alors vraiment, elle a pété à un câble, mais de malade. Et puis là, ça y est, elle ramène ses fils, quoi. Alors, je sais pas si vous avez remarqué sur la mini-carte, il y a un petit point blanc, justement. Et justement, c'est le petit coffre. Et là-dedans, il y a... de l'oseille. 73$. Eh ben, ça commence plutôt bien. Ok. Chut, la vieille. J'essaie de me concentrer. Ok, on prend ça, on vole tout, on fouille. Là, bien sûr, on est venu l'autre fois chez elle. Hein, bien sûr, hein, pour ceux qui se rappellent, elle a pété un câble l'autre fois, hein, comme je le disais tout à l'heure, là, il y a un instant. Et là, elle ramène ses fistons, là. Elle est complètement tarée, cette femme. Elle est complètement tarée. Ah, il est marqué « Fouiller le coffre ». Voilà. Reste calme, la vieille. Reste calme. Porte-monnaie. Enfin, il me semble. Photo. Voyons voir, photo. Ah bah, c'est elle, et puis... Enfin, apparemment, elle a trois fils. Donc, le quatrième, c'est un bandit, en fait. Enfin, il me semble. Hein. Après, je dis ça comme ça. Ok. Fouiller. Bijoux. On a quoi d'autre? Fusil. Enfin, un fusil. Balle, plutôt, voilà. Et puis, c'est tout parce que en dessous, on a été voir l'autre fois. Lorsque, enfin, justement, où elle a pété un câble parce que j'ai pris son fusil à pompe. Ou je n'en sais rien parce que j'ai fouillé un peu partout sa baraque. Bon, c'est bon, t'es calmé, là? Tu sais quoi? Je suis... Enfin, Arthur Morgan, il est vraiment trop gentil. Du coup, il te laisse en vie. Par contre, pour tes fils, malheureusement, c'est la vie. C'est comme ça. C'est la vie, c'est la vie. Du coup, bah, je pense qu'on a fini avec elle. Hein. Je pense qu'elle va pas se barrer. On va nettoyer ses armes, voilà. En même temps, tranquille. Alors,
Alors, par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'autre fois, elle avait son âne. Son petit... son mule, là. Et là, bah, on le voit plus, quoi. On ne voit plus son âne. Il y a peut-être un bon... Elle a peut-être abandonné son âne. Ok. Du coup... Alors, les amis, oula, mince, c'est moi qui me trompe. Là, je suis dans le Social Club, on s'en fout du Social Club. C'est les photos, on s'en fout. Alors, du coup, alors justement, on a une petite mission ici. Albert, ma zone, là, ma zone, je pense que je le prononce bien. C'est le mec qu'on a vu justement lors de la toute dernière partie, hein, la partie 18. Il est juste à côté. On va le revoir. C'est parfait. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, j'ai une autre tenue. Voilà, tenue style avec Arthur Morgan. Je le trouve magnifique, ça change. Là, par contre, on a des Driscoll. On va éviter. Faut pas effrayer notre ami. Allez. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Hello again. Hello. Oh, hello. How are you, sir? Morgan, Mr. Morgan. I'm sorry, my nerves. I'm not quite the outdoor adventurer I thought. This is God's own country, and I feel I'm in purgatory. I know the feeling. No, I hope not. What you trying to take some pictures of, huh? Some more greedy coyotes? No. Un ours. Ah, des loups. You really are trying to get yourself eaten. Oh, I hope not. I left the meat over there. I thought I'd be safe. Given the wind. Yeah, sure. Ben, je crois pas, moi. Là, tu vas attirer vraiment les loups, ils vont te bouffer. I'll stay with you a while. If anything comes, I'll protect you as needed. You are a gentleman. You don't know me very well. Well, to me, you're a gentleman. Usually, I'm a gentleman. You had many dealings with wolves, Mr. Morgan? Sure. But you've never been eaten. Alors, désolé pour la petite musique là, c'est parce que je pense que il y a des driscolls à côté, alors du coup, c'est pour ça. Usually they are not great fans. Parce que normalement, on devrait pas avoir une musique comme ça. Petite ambiance comme ça. Me neither. Ah. Tu veux dire deux, Arthur Morgan. Now, don't do anything. I'm going to take a few photographs. Come on. Allez, faites Wistiti, les loups. Ah, parfait. La petite musique s'arrête. Good boys, hungry boys. Come on. Stay back, stay back. Can't have a man in the frame. They'd think it's staged. Yeah, sort of is. Look at them. Oh mon dieu, je crois que tu, ça y est. On est mort. Clawing at your eyeballs. Come on. Stay still, my beauties. Ah bah là, je crois qu'ils sont énervés, là. Vaut mieux se barrer, là, non? Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. On fait quoi là? On fait quoi? On va se faire bouffer. They don't seem to be fans of modern technology. Bah ça c'est sûr. Oh mon dieu. Wow! Il est taré lui, bah, il va se faire bouffer. Kept the wolves from the door. Existence flashed before my eyes. Voilà, vache. Yeah, they can be pretty aggressive. What a way to... Literally a dog's dinner. Still worse things happen at sea? Do they? Well, I imagine. Perhaps wolves do better at sea. Are they good swimmers? Well, who knows? You have saved my poor foolish skin once again.
Don't mention it. Encore une fois. I can't begin to repay my debt of gratitude. But no, I am eternally in your debt. I do, Mr. Mason, I do. You take care now. And you too, sir. Adieu, Monsieur Mason. Ok. Voyons voir. Bah lui, il est blessé, lui. Je peux parler avec lui encore. I've got hydrophobia phobia. Perhaps a wildlife photographer needs steadier nerves. Or a longer tube for the shutter bulb. A much, much longer tube. And a cave to hide in, with bars on the outside. Okay. I'll be some time working on the mechanism. Good day to you, sir, and Godspeed. Il parle tout seul, le mec. So, you think that photograph will come out? I can't say with certainty, but I'm hopeful, sir. I'm due some good luck, no? Carry on like this, I'm not sure you are. Un jeu, il va se faire bouffer, le mec. Ça, c'est clair. Lightning doesn't strike in the same place, and neither do wolves. Ok, ok. Bon, bah, je te dis adieu. Pour l'instant. Ok, alors, on a aussi... Bah, justement, ils sont encore là. Nos très chers amis Driscoll. On va aller les voir. Allez. Ah non, c'est encore la vieille. Elle est encore ligotée, elle. Tranquille. On va la laisser tranquille, la pauvre. Elle a perdu ses fils. À cause d'Arthur Morgan. C'est bête. Alors, les amis. Comme je vous ai dit au début, on va surtout encore explorer West Elizabeth parce que vous allez voir que il y a d'autres secrets que je vous ai pas encore fait montrer. Plutôt par ici, si je me trompe pas. Alors, ici normalement, ouais, ici où il y a le castor, le petit dessin castor, il y a des trucs, des lieux secrets, vous allez voir, des drôles de trucs. On va aller voir ensemble. Vous allez voir que c'est assez intéressant. Pour ceux qui connaissent pas vraiment tous les lieux secrets de Red Dead Redemption 2, bah voilà, je vous les montre. Parce que c'est vraiment très très intéressant. Allez. Tranquille, tranquille, hein, bien sûr. Hop. Alors bien sûr, j'ai en train de vérifier aussi en même temps si c'est bien là-bas. Oui, c'est bien ça. Ok. Allez, c'est parti, tranquille. Alors là-bas, il y a des Driscoll, mais on va les laisser tranquilles. Pour l'instant. Alors vous allez voir que là où on y va là, bien sûr. Et ben tout simplement, il y a deux endroits secrets, voire trois. Le troisième est un peu plus loin. Et le troisième il est assez what the fuck. Vraiment. De toute façon, tous les trucs qu'on va voir là dans un instant, vous allez voir que c'est assez bizarre. Allez, c'est parti. Au galop. Allez, Fufu Morgan, on y va. C'est parti. Alors bien sûr, hein, les amis, comme je le dis à chaque fois, à chaque début du live, tout ça, ou en vidéo, hein, pour plus tard, hein, bien sûr, parce que je dis là, mais aussi, je parle aussi de la vidéo sur YouTube en même temps, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à me suivre, bien sûr, hein, voilà, pour les nouveaux, les nouvelles, voilà. Il n'y a pas de souci. Oula, on a un cougar. Alors, par contre, ça, c'est bien, parce que, justement, il m'en faut un parfait état. Ok, je vais tomber, là. Ah ouais, ok. J'ai rebondi sur le cougar, moi. Tranquille. Et ben, ça, c'est parfait, les amis. On a vraiment du bol. Parce que les cougars, ici, c'est vraiment... Je vais pas dire assez rare, mais c'est vraiment de temps en temps. Et ça, c'est bien, parce qu'on va le donner au trappeur. Enfin, on va pas le donner tout de suite, hein, bien sûr. On va pas le donner tout de suite.
On va aller d'abord voir les lieux. Les lieux secrets. Franchement, je le trouve magnifique la tenue de comme ça là de Arthur Morgan. Incroyable. Ok. Alors c'est tout près d'ici, hein, là, voilà, juste ici. Alors on va aller doucement, parce que vous allez voir que c'est assez flou. Vraiment flou, c'est juste ici. Alors vous allez me dire, on voit rien, il n'y a que dalle. Bah en fait, si vous regardez bien, normalement, si je me trompe pas, vers les arbres, ici. Voilà. Par ici, alors je vous fais montrer sur la carte, hein, bien sûr, tout doucement. C'est juste ici. Voilà. À Owanjila, le lac à Owanjila, où il y a le poisson légendaire. Voilà, où il y a des trucs qu'on a vus l'autre fois, les amis. Ici, hein, où il y a les lieux secrets. Voilà. C'est juste ici. Voilà. Je vous fais un petit zoom. Strandberry, Blackwater. Voilà. Je suis juste ici. Voilà. Et vous allez voir, tout doucement, juste ici, là, où il y a les arbres, là. Voilà. Juste ici. Et ben, vous avez peut-être remarqué, il y a des visages, des sortes de visages gravés sur les arbres. Ici, examiner arbre, voilà. Alors, avant d'examiner, hein, je vous fais montrer tout doucement, voilà. C'est assez what the fuck quand même. On dirait que c'est des Indiens qui ont fait ça. Ou je ne sais quoi. Ou des trucs, je sais pas, genre préhistorique. Ou je sais pas, des trucs bizarres. Voilà. On va faire examiner. Hop. Bien sûr, Arthur Morgan dessine super propre. Voilà, proprement. Voilà. Et on nous dit, parce que oui, Arthur nous dit comme ça, Obserchu Overlook, j'ai découvert ces visages gravés sur des arbres. Je me demande si vous voulez me dire quelque chose. Ah, bizarre ça. C'est bizarre, c'est bizarre. Alors, je vous fais remontrer sur la carte, et puis bien sûr, regardez. Ça nous fait montrer le petit dessin, voilà. Comme quoi, je l'ai découvert. Voilà. Parfait. Ici, hein, voilà, Strandberry, voilà, tranquille, voilà les amis, tranquille, tranquille, c'est vraiment bizarre, là, ça nous dit aussi, arbre à visage, en même temps, sur le côté, voilà, c'est vraiment étrange, alors, un peu, mais vraiment, enfin, je vais pas dire un peu loin, c'est vraiment juste à côté, normalement, si je me trompe pas, ici, là où je vais mettre le point, voilà, je crois ici, un peu plus haut, et ben vous allez voir qu'il y a aussi autre chose, mais vraiment assez, je vais pas dire what the fuck, mais vous allez voir que c'est quelque chose aussi. Alors j'essaie de vous faire bien repérer, hein. Là il y a les arbres, tout ça, il y a la petite lac là, le petit lac, la petite rivière là en même temps là, voilà, je peux dire ça comme ça. Et un peu plus haut, si on monte vraiment un tout petit peu plus haut. Voilà. Et bah là, il y a des ossements. Voilà. Et c'est quoi? Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est cette créature? Alors, difficile à dire, hein, comme ça. Vraiment difficile à dire. Mais je vais vous dire, c'est une baleine. Oui, vraiment, c'est une baleine. Ça peut être dingue. C'est une baleine. Donc ça veut dire qu'avant, à l'époque, c'était vraiment un lac, quoi. Il y avait de l'eau, quoi. Une baleine, les amis. Voilà, je vous fais bien montrer. Voilà. Alors ici, alors je vais vous faire montrer. Hein. Ici, c'est là où on a vu les visages. Hein, là où je vise. Le petit lac. Bon, voilà, quoi. C'est pas vraiment loin, 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 loin. C'est juste ici. Et on va faire examiner
Voilà, alors là, bien sûr, là, Arthur Morgan ne dit pas. Enfin, il marque rien à propos de cette chose. Par contre, on nous dit quand même que c'était un os de baleine. Voilà. Voilà, tout simplement. Et du coup, ça nous fait ça, les amis, sur la carte. Voilà. Avec tous les trucs qu'on a vus l'autre fois. Voilà. Strandberry. Blackwater. Bon, je pense que c'est facile à se repérer, hein, je pense, pour vous. Voilà. Alors, bien sûr, j'ai agrandi la map, hein, pour que vous voyez, voilà, un peu. Voilà. Juste ici. Voilà. Parfait, les amis. Voilà, c'était voilà pour vous faire montrer. Parce que, bon, voilà, pour continuer l'aventure, hein, bien sûr. Hein, découvrir des choses, tout ça, en même temps. Et puis, là, maintenant, je vous propose, justement, de découvrir le troisième truc. Parce que, oui, je vous ai dit qu'il y avait un troisième truc. Mais ce troisième, il est vraiment. Vraiment, what the fuck? Vraiment, c'est quelque chose aussi. Alors, ça se trouve ici. Là, enfin, nous, on est là, voilà. Et c'est tout près du ranch, là où il y a les Driscoll. C'est ici. Là, il y a le petit creux, là. Voilà. Et vous allez voir que il y a quelque chose aussi. Mais le lieu où je vais vous faire montrer, il est assez connu pour beaucoup de gens. Voilà. Assez connu. Mais bien sûr, je vous le montre. Bien sûr, au cas où que, voilà. Pour ceux qui connaissent pas Red Dead Redemption 2, ah voilà, vous êtes servis. Y a pas de souci. Allez, on y va. Alors, en même temps, on va donner notre peau de cougar au trappeur. Voilà. Bah, lui. Là, il a volé notre cougar. Et là, on a un nounours pour changer. Voilà, ça aussi, c'est un lieu secret. Voilà, un nounours. Voilà, un ours mal léché. Voilà, il est magnifique. Il va nous bouffer. Il est vraiment pas content de nous voir. Mais bien sûr, je le calme. Alors, est-ce que déjà. Ah, dommage, ça a 2 étoiles. Dommage. Dommage, dommage. Ça sera pour une prochaine fois en parfait état. Bon, bien sûr, j'étais obligé de le tuer. Et il allait me bouffer, là. Et ça, c'est aussi un lieu secret. C'est aussi le camp des. Enfin, c'est le camp des Driscoll. Mais vide. Parce que la dernière fois, je les ai fracassés. Hors live. Non, non, non. Non, non. Passons un peu aux choses sérieuses. Voilà. C'est rien du tout. Rien du tout, les amis. Y a rien. Voilà. Allez. Un peu de sérieux, un peu de sérieux. Alors, c'est juste ici. Alors, par contre, le lieu qu'on va aller voir, Arthur va rien mettre dans son carnet. C'est vraiment, je dirais, un mystère dans le jeu. Vraiment un vrai mystère dans le jeu. Là, il va rien avoir sur la carte, que dalle. C'est vraiment un truc mystère. Alors, c'est difficile de se repérer, hein, je vous avoue. Alors, on va essayer de se repérer, hein, bien sûr. Voilà. Alors ici, c'est la route principale, hein, bien sûr, hein. Là-bas, il y a le ranch. Voilà. Je vais vous refaire montrer sur la carte. Voilà. Ici. Hein. Et juste ici. Alors, c'est difficile comme ça, bien sûr, de se repérer comme ça. Mais derrière les arbres,
Voilà, on passe tranquille. Et normalement, si je me trompe pas, c'est par ici. On monte encore. Toujours. Et là, les amis, il y a une grotte. Et on va aller voir. Alors, je vous avoue, il n'y a pas grand chose. C'est après. Enfin, on va dire ça comme ça. Alors, vous voyez, hein, il n'y a pas grand chose. Par contre, à l'intérieur, il n'y a aussi pas grand chose, mais il y a quand même quelque chose d'unique. Un peu plus loin dans la grotte. Alors, c'est très calme. C'est super bien fait. On entend des sortes de gouttes d'eau qui tombent. Je vous laisse écouter. Oh, silence. Alors, bien sûr, les amis, il ne faut surtout pas tomber, parce que là, on meurt directement. Alors, vous inquiétez pas, le pont va pas se détruire, hein. Ou presque. Ça fait peur, ça fait grincement. On va un peu explorer. Tranquille. Alors surtout, ouais, comme je disais, ne pas tomber. Par contre, ici, on ne peut pas sauter. Mais vous allez voir vraiment plus tard que voilà, il y a quelque chose. Vraiment, il y a vraiment quelque chose. Alors, vous inquiétez pas, il n'y a pas un dinosaure. Les dinosaures sont morts. Mais il y a vraiment quelque chose. Si on va un peu plus loin. Je vous laisse écouter. Alors là, je pense que vous avez remarqué des petits dessins préhistoriques gravés sur le mur. Alors, on va se mettre en première personne. Alors, ça, c'est des biches. Ça, c'est des hommes. Enfin, des petits bonhommes, voilà. Et ça, ça doit être leur dieu, non? Après, je dis ça comme ça. Hein. Ça, je ne sais pas. On dirait... Je sais pas si c'est un dessin. Si, je sais pas. On dirait une créature. Je sais pas. C'est bizarre. Je vous laisse écouter. Turn around and go back to the light. Can you leave? Vous avez entendu les amis? Il y a un préhistorique dedans, ou presque. Alors je vous explique, c'est un mec en fait. Je pense que vous avez remarqué, peut-être par rapport à ce qu'il dit là en ce moment. C'est un mec qui vit tout seul dans la grotte, dans une grotte en fait, et il voudrait être seul. Il voudrait personne, personne dans sa grotte en fait. C'est un mec qui est solitaire en fait, genre, qui est vraiment solitaire. Ah bah voilà, on le voit. Okay, est-ce qu'il va dire I'm quelque chose? Devil, ah. But I want to be...
Alors c'est mort parce que Arthur Morgan dit rien du tout. I'm a nasty man. Go away. I don't want you here. Is that so bad? Wanting solitude? Wanting loneliness? Wanting anything but you? Go away. Voilà. Le mec qui nous demande de partir parce que... Ah, quoique... Ah si. Alors, voyons voir. Saluer pour voir. Get out of my cave. Alors, pour ceux qui ne savent pas vraiment, ou ceux qui connaissent, hein, bien sûr, on ne peut pas, malheureusement, aller le voir. Normalement dans le jeu. En tout cas, normalement, on ne peut pas, à part faire, je dirais, un bug, voilà. Mais vous pouvez le voir, on ne peut pas monter, c'est impossible, on ne peut pas aller le voir. Normalement, voilà, on ne peut pas. Vous pouvez le voir, il n'y a rien. Il n'y a pas de d'échelle ou je ne sais quoi. Il n'y a vraiment que dalle. Normalement, ça s'arrête là. Il se barre et puis hop. Mais moi, je connais un système pour aller le voir. Et vous allez voir que quand on va le voir, c'est... Enfin, je veux dire que le bonhomme, il est buggé. Alors, je vais essayer de vous le faire. Je ne sais pas si je vais arriver du premier coup. Alors, c'est juste ici. On descend, voilà. On descend. On monte sur le petit rocher. Et normalement, il faut sauter au bon moment. Et sauter vers ici. Voilà, ici. Mais normalement, quand je vous dis, normalement, on ne peut pas aller le voir. Mais grâce à ce petit bug, on peut. Alors, on va essayer. Ah, là, j'ai pas réussi. Malheureusement. Alors, on va essayer du... On va essayer... Enfin, je vais pas dire du premier coup, mais on va essayer, hein... Alors, c'est assez chaud. Alors, je pense, pour vous aider, il faut se mettre à la première personne. Essayez d'avancer un tout petit peu. Et monter. Alors là, j'ai pas réussi. Alors, c'est vraiment chaud. Hein. C'est vraiment chaud, 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 patate. On va essayer, on va essayer. Ah oui, en fait, je vous explique. C'est pas bien, en fait, la première personne, parce qu'on ne peut pas sauter, en fait. Oh là. Allez. Mais toi, Arthur, allez. Tu peux le faire. On va essayer. Ah, dommage. Alors, c'est vraiment chaud. Hein. C'est vraiment chaud patate. On va essayer. Hein. Vraiment, on va essayer. Ah, dommage. Alors, au bout d'au moins d'une vingtaine de fois, on y arrive. Hein. Voilà. Normalement, je dis bien, normalement, si on y arrive, c'est vraiment pas évident. Ah, dommage. On va essayer. Ah là, je suis tombé, là. Ah, c'était presque ça. En fait, ça en dépend, les amis. C'est vraiment ça en dépend... Quand on se met bien, voilà. C'est vraiment pas évident. Hein. Ah, dommage. Alors, je pense qu'il faut courir. Ah, mince. Ah, c'est super chaud, hein. Je vous avoue que c'est super chaud. Alors, tout à l'heure, avant avant de vous présenter ce live, j'ai essayé et j'ai réussi. Ah, bah voilà. Bah, tu vois. Bah, tu vois. Je dis le mot et j'ai réussi. Voilà. Parfait. Voilà, j'ai réussi les amis. Alors normalement, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas le voir. Normalement, quand je vous dis, on ne peut pas le voir. Et grâce à ce bug, on peut. Alors c'est étrange, hein. Il y a des papiers, il y a des bougies. Et là, normalement, il y a le mec, voilà. Et ça, normalement, on ne peut pas le voir.
Et puis si on regarde bien, si on se met en première personne, il est buggé. Mais vraiment buggé, regardez, il ne bouge pas. Vraiment, il ne bouge pas. Son visage ne bouge pas, il n'y a rien qui bouge. On ne peut pas lui parler. C'est vraiment... Et là, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'est vraiment étrange. Et puis on a aussi, voilà, pour mieux le voir, des petits dessins. Encore une fois, c'est en fait c'est l'homme des cavernes, quoi, tout simplement, quoi. Par contre, alors comme vous pouvez le voir, hein, il ne bouge pas, hein, mais vraiment il est vraiment buggé. Par contre, si on fait ça, alors bien sûr je vais pas le tuer, hein, mais si, alors normalement, voilà. Là il bouge, là il a peur. Et si je fais ça, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais... Ça ne fait rien. Bah voilà les amis. C'est vraiment étrange, hein, vraiment étrange. Il est vraiment solitaire le mec, vraiment. Alors, j'ai déjà testé, hein, bien sûr. Je l'ai déjà tué. Et quand on revient plus tard, il est toujours en vie. Mais vraiment, il revient. C'est vraiment bizarre. Vraiment bizarre. Vous pouvez essayer chez vous, hein, si vous avez Red Dead Redemption 2. D'ailleurs, je vous refais montrer la carte. Hein, voilà, c'est ici. Hein. Voilà, tout près du ranch. Des Driscoll. Le camp. Voilà. Il y a Strandberry. Là, on a vu les trucs mystérieux... de tout à l'heure, voilà. Valentine, c'est juste là, voilà. Ici, voilà. Vous pouvez tester et vous allez voir que c'est assez what the fuck. Vraiment, c'est assez what the fuck. Je vous le conseille, hein, d'aller voir. Ça tombe, vous allez trouver des trucs que j'ai pas vu ou d'autres, parce que ça, bien sûr, hein, je suis pas le premier à le faire montrer. Il y a beaucoup d'autres YouTubeurs très connus. Comme Vince, tout ça, pour ceux qui connaissent les youtubeurs comme Vince, tout ça, ont déjà fait montrer, et ils ont rien trouvé. Par contre, c'est vous avez trouvé quelque chose d'assez mystérieux, bah n'hésitez pas de le dire, quoi, dans les commentaires, tout ça, sur YouTube, ou sur Twitch, il n'y a pas de souci. Du coup, voilà, les amis, et si vous regardez bien sur la mini-carte, il y a un autre chemin, on va aller voir. Tranquille. C'est vraiment étrange. Et puis c'est calme. C'est vraiment calme. Alors on va avancer un tout petit peu plus vite, hein, bien sûr. Là, il n'y a rien. Par contre... Ah, vous avez peut-être remarqué, les amis. C'est le petit chemin qu'on avait vu tout à l'heure avant de rencontrer l'homme des cavernes. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on ne peut pas monter par ici. Voilà, là, on retourne à l'endroit de tout à l'heure. Mais je vais vous faire montrer autre chose par ici. Voilà, ici. Là... Il n'a rien. Ou presque. Voilà. C'est un vrai labyrinthe dedans. Et là, c'est l'endroit où on a été tout à l'heure, les amis. Voilà. Voilà, les amis. Hop. Voilà. C'est vraiment... très très étrange. Alors bien sûr, surtout ne pas tomber, parce que là vous êtes molle. Et puis là, bien comme il faut, parce que là c'est vraiment profond. Voilà. Et c'est vraiment je dirais que c'est, ce n'est pas un secret qu'on le marque, vous savez, dans le carnet d'Arthur Morgan, ou qu'on voit sur la carte. C'est vraiment
vraiment un mystère dans le jeu, quoi. Voilà. Pour ceux qui, connaissent pas vraiment le jeu, bah voilà. Hein. Vous pouvez aller voir. C'est vraiment étrange. Alors par contre, si on peut examiner le site. Alors c'est marrant parce que ça, les amis, quand j'ai fait, justement, je vais tester avec vous. Qu'est-ce que ça fait? Ah si, Arthur Morgan marque quelque chose. Alors que justement, alors je vais être honnête avec vous. Hein. Entrée d'une grotte, voilà. Alors c'est marrant parce que quand j'ai fait ma vraie partie. Je l'avais pas ce truc, enfin je l'avais, mais j'avais pas, j'avais un petit bug en fait, j'avais pas le petit dessin en fait, dans ma vraie partie, j'arrivais pas à dessiner dans le carnet d'Arthur Morgan. Et là, je vous avoue que je le découvre en même temps avec vous, ce petit dessin, parce que dans ma vraie partie, je pouvais pas le faire parce que je sais pas, j'avais un petit bug. Arthur ne voulait pas marquer dans son carnet, voilà, enfin dessiner en tout cas. Ok, ma girl. Du coup, oui, je découvre vraiment en même temps que vous, hein, c'est vraiment bizarre le dessin. C'est vraiment étrange. Voilà, les amis. Alors, du coup, on a fait vraiment un peu le tour hein, de Strandberry. C'est vraiment... je crois que c'est le seul endroit où on découvre beaucoup de choses. West Elizabeth, c'est vraiment quelque chose. Mais c'est pas vraiment fini parce que oui, les amis, il y a encore vraiment autre chose... Oui, parce qu'en fait, j'ai oublié de dire, mais il y a un quatrième. Et ce quatrième, il est normalement juste ici. Il y a vraiment beaucoup de choses ici. Il y a vraiment beaucoup de choses. C'est blindé de trucs. Alors, c'est normalement ici. Hein. Juste à côté de la grotte. Voilà. C'est... juste ici, voilà. Alors, je fais gaffe parce que je ne sais pas si vous avez remarqué. J'ai les machins, là, qui sont tout près de moi, là. Les chasseurs de primes, voilà, chercher. Voilà, débris. Alors, ça, c'est un truc qui vole, ça. Vous savez, les trucs qu'on voit dans les films ou je n'en sais rien... Un truc volant, voilà. Bah, elle est chouette, la mamie. Elle a appris à voler, la mamie. ça doit être la sœur de la grand-mère qu'on a vue tout à l'heure au début de la du live. C'est peut-être elle, hein. C'est peut-être sa sœur. Qui sait? Je n'en sais rien, je dis ça comme ça. C'est vraiment étrange. Alors, ça tombe, elle a essayé de voler de par ici, hein, voilà, sur les rochers. Voilà. En haut, des montagnes. Assez écrasé. Enfin, on va faire examiner, voilà. Examiner, débris. Aréonef, voilà. Aréonef accidenté, voilà. Parfait. Obserchou. Overlook, voilà, si je prononce bien, encore une fois. J'ai trouvé, alors ça c'est Arthur qui marque, hein, j'ai trouvé l'épave d'une machine volante dans la forêt. Quelqu'un s'est pris pour Icar, ça j'aime bien, avant de mourir en emportant ses rêves. Ah bah ça tu l'as dit mon ami, ça tu l'as dit. J'aime bien parce qu'il dit, il s'est pris pour vraiment Icar, Spider-Man le truc, vraiment tranquille. Non, vraiment, c'est vraiment étrange. Très étrange. Et voilà, c'est vraiment... Il y a vraiment beaucoup de mystères ici. Hein, il y a vraiment beaucoup de mystères. Voilà, juste ici, hein, juste à côté de la grotte, les amis. C'est juste à côté. Voilà. Parfait. C'est vraiment... mystère. Donc, voilà, les amis. Alors, il y a aussi... Alors, par contre, lui, il est assez loin. Alors si je me trompe pas, je vais regarder en même temps, hein, un peu plus loin vers par ici normalement, je crois ici, alors je vais regarder hein, en même temps, hein, voilà, tranquille, j'avais pris en photo,
pour pas trop galérer à le trouver. Voyons voir. Normalement, c'est... Tatata, alors oui, c'est ici. Voilà, ici, normalement, quelque part ici. Et vous allez voir qu'il y a aussi quelque chose. Un cinquième secret. Voilà. Et lui, je vous avoue, il est incroyable aussi. Pour ceux qui connaissent pas Red Dead, voilà. Il est incroyable. On va aller voir. Alors bien sûr, là, on va se faire bouffer par les loups. Ça va, tranquille? Il nous fait quoi, lui? Il fait le loup, tranquille, il nous attaque pas. Bon bah, tranquille, hein, tant mieux. Allez. C'est parti, les amis, on va aller voir, tranquille. Alors, dites-moi, hein, qu'est-ce que vous en pensez de tous ces secrets, hein, tous ces lieux qu'on a vus? N'hésitez pas. Ça donne... Enfin, comme ça, je vois, entre guillemets, votre avis, en tout cas. Voilà. Et, bah, n'hésitez pas, quoi. N'hésitez pas à me dire, voilà. Si vous avez déjà vu, ou je ne sais quoi. Il n'y a pas de souci. Je vous répondrai, comme d'habitude. Allez, on monte. Hein, c'est dans les montagnes, hein. Bien sûr, c'est dans les montagnes. Alors, là, vous avez remarqué, les amis, c'est un ossement de dinosaure. C'est pour, vous savez, la vieille qu'on avait rencontrée dans les premières parties de Red Dead Redemption 2. Mais on va pas le prendre tout de suite, les amis. On va... Ah, mince. Bon, bah, c'est noté, quand même. Bon, ça sera le seul. Allez, ça sera le seul. Mais voilà, en même temps, ça vous fait voir, quand même. Bon, voilà. Bon, je voulais monter sur le cheval, mais bon, ça me l'a pris. Voilà, découvert, 2 sur 30. Mais ça, on va le faire vraiment plus tard. Car on pourra pas tout prendre tout de suite, tout d'un coup. Parce que c'est vraiment toute la carte de Red Dead Redemption 2. Et quand je dis qu'on pourra pas tout prendre, c'est parce que par rapport à la carte ici de Red Dead Redemption 1, pour ceux qui connaissent. Car avec Arthur Morgan, on ne peut pas y pénétrer. Parce qu'on est recherché dans toute cette enfin... cette partie de cette carte, enfin, qu'on voit pas malheureusement, mais pour ceux qui connaissent Red Dead Redemption 2, vous voyez où je veux parler. Mais malheureusement, on ne peut pas aller avec Arthur Morgan. Malheureusement. Parce que si on y va, on va se faire canarder comme jamais. Et c'est impossible d'y aller dans ce coin-là, en fait. Dans cette partie de la carte. Enfin, quand je dis qu'on est... Enfin, alors bien sûr, hein, je veux faire montrer aussi, hein, voilà, en même temps. Voilà, ça ressemble à ça, quand on trouve un ossement de dinosaure pour la femme, voilà. Qu'on envoie tout ça. Et voilà, ça vous fait un petit dessin. Alors, j'ai oublié de dire, hein, bien sûr, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Red Dead Redemption 2, je dis qu'Arthur Morgan ne peut pas aller ici, mais bien sûr, toute la bande ne peut pas. Parce que vous savez que pour ceux qui connaissent bien, ou voilà quoi, pour ceux qui ont suivi mes parties, vous savez que Dutch a fait un carnage avec sa bande à Blackwater et qu'ils sont recherchés. Voilà pourquoi c'est en rouge. Voilà. Voilà. Je vous explique, voilà. Je vous explique comme ça pour ceux qui connaissent pas le jeu, hein, réellement. Bon, après, je pense que bien sûr, tout le monde connaît bien sûr quand même Red Dead Redemption. C'est un jeu qui est quand même connu pour tout le monde. Voilà quoi. Ok, on est proche, hein. C'est vraiment en haut des montagnes. Alors bien sûr, ici, il fait froid. Vous voyez, Arthur Morgan est en train de geler. On le voit au niveau de son visage, hein. Il y a froid. Par contre, c'est magnifique ici, hein. Vraiment, c'est... C'est incroyable. Alors voilà, ici, hein, les amis, c'est ici. Tranquille. On descend tout doucement.
Et normalement, ça doit être quelque part ici. Plus en bas, je pense. Oula, oula. Oula, doucement. Alors, ça se peut que je me suis trompé, hein. Je sais que c'est... Ah ouais, voilà, c'est ici, voilà. Voilà, on descend tout doucement. Et là... Qu'est-ce que c'est cette horreur? Eh ben... C'est un ossement déjà, voilà. Un ossement. Mais alors, vu la taille... C'est vraiment bizarre. Alors, je pense que vous avez compris, hein. C'est un géant. Voilà. Je savais pas si ça existait vraiment, les géants. Mais bon, apparemment, ouais, ça existe. Parce que vous voyez, vu la taille du truc... Voilà. C'est vraiment étrange. En tout cas, monsieur, vous avez encore vos cheveux. Vraiment bizarre. En tout cas, il y a encore ses cheveux. Voilà. Alors, bien sûr, on peut dessiner, hein, voilà. Voilà, les amis. Alors, bien sûr, Arthur Morgan nous dit comme ça. J'ai découvert un énorme squelette. Je me demande quelle taille faisait ce bonhomme. Ce bonhomme, j'aime bien. À moins que ça soit autre chose. Voilà. Que ça soit autre chose. Bah... Reste deux géants, voilà. C'est un géant, c'est un ogre. Non, franchement, c'est... mince, je suis trompé. C'est vraiment bizarre, vraiment bizarre. Il reste les cheveux, c'est déjà bien. Alors, je vous fais montrer sur la carte. Hein. Voilà, ici. C'est assez compliqué, mais bon, de se repérer. Dans les montagnes à Mount Schwan, voilà, tout près de Stranberry. Là, on a vu les trucs aussi, les amis, voilà. C'est ici. Vous pourrez aller voir, pour ceux qui n'ont pas vu, enfin, qui n'ont pas vu dans le jeu, hein, voilà. Hein. Vous n'avez pas vu tout ça. Et du coup, les amis... Bon, là, il n'y a plus de secret, hein. Il n'y a plus de secret. Là, j'en ai plus, pour l'instant. Alors, bien sûr, il y en aura encore d'autres, hein. Mais c'est un peu plus loin, dans toute la carte de Red Dead Redemption 2. On verra au fil du temps. Alors, ce que je vous propose, c'est de... d'aller essayer de traquer le bison blanc. En haut. Dans la map, enfin, la partie enneigée. Allez, au revoir le squelette. Au revoir le géant. Bon rétablissement. Allez. C'est parti. On fait un petit tour, les amis. Magnifique. Franchement, il y a des endroits quand même hallucinants sur Red Dead Redemption 2. Et vous avez pas tout vu. Car il y a d'autres secrets. Incroyables. Allez, on descend. On descend de la montagne à cheval. Bon, elle était un peu pourrie, hein, celle-là. Mais voilà, on descend, voilà, tranquille, on descend. Allez, on va aller traquer le bison. Voilà, on va se faire bouffer. Allez, hop. Ils sont combien là? 50?
Ah ouais, et en bonus on a un ours. Ok, pas de soucis. Ok, bah lui il a l'air méchant. Bon, c'est fini la petite fête là. Et c'est la fête ici, c'est la fête des animaux ici. Grizzly, 3 étoiles. Eh ben, on le prend direct parce que ça c'est bien pour le trappeur, les amis. Ah, j'aime bien quand il dépaisse Arthur Morgan. Ok, parfait. Voilà, voyons voir. 2 étoiles. 2 étoiles. Une fois un parfait état là. Bon bah pas de bol les amis. C'est comme ça. Alors par contre, si je vais traquer le bison, il va falloir que soit je trouve un PNJ avec un cheval, que je prends son cheval et que ben voilà quoi. Ou soit je le donne au trappeur directement. Alors c'est pas grave, on va aller directement au trappeur vite fait. Allez, hop, vite fait. Bon là, à part que Fufu est en train de crever là, comme toujours. Allez, tiens bon là, Fufu, là. Ouais, t'inquiète, vas-y, on est presque là. Voilà, parfait, on est sauvé. Hop là. Ours, cougar. Bah voilà, bah justement il fallait que je vende le la peau de cougar qu'on avait traqué tout à l'heure. Avec les lieux, tout ça. Ok, voilà, ça y est. Nous sommes dans la partie enneigée. Voilà. Nous sommes au Mont Blanc. Ou presque. Alors ici, vous vous rappelez, c'est ici qu'on a fait notre première, enfin, nos premières missions avec la bande de Dutch Vanderly. Hein. Bon, là, on a attaqué les Driscoll. Voilà. On passe à côté. Allez Arthur Morgan. Alors je pense que c'est pas vraiment loin 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 les amis. C'est à côté hein. C'est pas vraiment au fond de la partie enneigée hein. Déjà, je pense pas que Arthur Morgan a froid. Ça, c'est déjà bien. Ok. Alors. Alors, il faut savoir aussi, est-ce qu'on aura de la chance, hein, voilà, du bol, comme on dit. Est-ce que on va voir le bison légendaire? Ah voilà, vous venez d'entrer sur le territoire d'un animal légendaire. Trouver et examiner des indices pour le localiser. Et ben voilà les amis, je pense que j'ai trouvé parce que là je viens de voir derrière les arbres des indices. Examiner fourrure de bison. Ah là on a du costaud. Allez.
Mince, là j'ai perdu sa trace. Alors c'est marrant parce que ça s'arrête ici. Ah voilà. Alors ça c'est une merde. Alors c'est pas dans les trucs mystères. Ça c'est une merde de bison. Voilà. C'est incroyable. Légendaire en plus. Rendez compte ? Ok, ouais, c'est ici. Bon, des fois je me perds, hein, je vous avoue. Youhou ! Ah, c'est marrant, je glisse pas. D'habitude, Arthur Morgan, il fait... Il glisse comme un... Ah, voilà. Vous voyez ? Oh là là. Trop fort. Allez. Branche cassée. Alors, il est où le bison ? Bison man. Il est là, les amis. Ah, il est magnifique. Alors, on va essayer de... tirer. Ouh, lui, il a senti. Oula, il fait du... Oula, il fait du... Il fait une tempête de neige, là. Alors, étudier. Voilà. Légendaire, les amis. Ah, vous avez remarqué, les amis, c'est le cheval de Dutch van der Linde. En blanc. Alors, il est super, super rare, hein, le cheval. Vraiment. Il est super rare. On le trouve pas ici, voilà. Alors dommage, on va pas le prendre tout de suite. Après, pour ceux qui sont intéressés de prendre le cheval de Dutch van der Linde, on le trouve dans cette partie enneigée. Où il y a justement le bison légendaire. Pour ceux qui sont intéressés, voilà, vous pouvez le trouver que par ici. Voilà. Parfait. Alors je ne sais pas si on peut le revoir, le cheval, comme Dutch van der Linde. Là, il a disparu. Ah, il est là. Voilà. C'est vraiment le cheval comme Dutch van der Linde. Pur sang arabe, il s'appelle, enfin, en tout cas, la race du cheval. Voilà. Alors, par contre, il est dur à capturer, hein, vraiment. Alors, je vais... Alors, moi, en tout cas, ça m'intéresse pas, hein, pour l'instant, ça m'intéresse pas. Mais pour ceux qui sont intéressés, clairement, il est vraiment rare. Si vous voulez l'avoir, eh ben, bonne chance, parce qu'on le trouve vraiment rarement. Mais on a de la chance de le voir. Alors là, vous avez remarqué que là, il y a une maison avec eux. Justement. L'écriture. You flew it before you did. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Moi, vous savez, l'anglais, ça fait deux. Mais si vous voulez, on va essayer de le traduire. Allez, pourquoi pas. Alors, on va essayer de le traduire. Hop, vite fait. Alors, pour ceux qui connaissent bien l'anglais, tout ça, je pense que vous le savez, hein, qu'est-ce que c'est réellement. Moi, malheureusement, voilà, je connais pas trop la langue, tout ça, enfin voilà, quoi, l'anglais. Donc, c'est un peu plus difficile. Alors, mais on va traduire, pour ceux qui savent pas. You flew
Flulich. Fluidichichi. Fluidichichi. Alors, B. Je crois que ça veut dire à l'aide, un truc du genre par là. Alors, ça veut dire, d'après ce que, en tout cas, ce que ça me marque, tu t'épanouis avant de mourir. Tout simplement. Tu t'épanouis avant de mourir. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire, les amis? C'est vraiment, encore une fois, bizarre. Voilà. Voilà, y a pas de quoi s'épanouir, là. Tout il s'est écrasé, là. Ok. Alors on fait le tour comme ça, hein, voilà. There we go. Y a pas grand chose. Ok. Alors du coup les amis, on va retourner voir le trappeur pour donner ça. Voilà. Pour lui donner. Pour les vêtements. Allez, c'est reparti. On y va. Tranquille, tranquille. Oula, j'ai mis le petit bug là. Allez, c'est reparti. Alors, je ne sais pas, les amis, si je peux. Alors, on va essayer. Mais je vous garantis rien. Mais vraiment, je vous garantis rien. Je me demande si on peut pas faire un voyage rapide. Ah, si, voyage rapide. Vous avez de la chance. On peut faire un voyage rapide. Par contre, je peux pas me mettre n'importe où. À moins que. À moins que. Non, je peux pas. J'ai direct mon repère, mais non. Donc, eh ben, on va aller le plus près possible. Hein. Strandberry. Allez. Alors, avant, on pouvait pas le faire, mais là, je pense que on peut. Voilà. Parfait. Ça va plus vite comme ça, les amis. Ah bah oui. Alors. Du coup. Bah vous savez quoi, les amis? Avant d'aller voir le trappeur, comme on est vraiment prêt, j'avais envie aussi de vous faire montrer ce petit endroit, tout près de vraiment de Blackwater. Et je crois qu'il y a aussi un truc mystérieux. Je pense. Je ne me rappelle plus vraiment. Mais on va aller voir. Ah! Il y a le mec qu'on avait vu l'autre fois, les amis, lors de la partie, bah, la toute dernière partie, 18, et qui avait bugué. Bah, justement, on a de la chance. Il est là. On va pouvoir lui parler. Alors, je pense qu'il va nous donner un livre, je pense. Alors, voyons voir. Saluer. Hello, sir. Do you want to be saved? Ouais, allez, vas-y. Pourquoi pas? Yes, desperately. Well, that's wonderful. Je suis désespéré. You are. Par une bande de crétins. That's really all there is to it. La bande de Dutch. Just do more good things and less bad ones, and we can be together for all of eternity. You and me? Yes. Forever? Great. Ouais, alors, ça se peut que je me trompe pas, les amis. Je croyais qu'on nous donne quelque chose, mais non, pas du tout. Bon, ben, je crois pas, apparemment. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui nous donnent des objets.
des livres ou une feuille, enfin, un truc du genre, pardon, un papier, enfin, tous des trucs comme ça, ou des objets. Mais lui, il nous donne rien. Bon. Par contre, les amis, j'ai un truc. Alors, heureusement qu'on passe par ici. J'ai oublié de vous dire que, justement, hors live, malheureusement, j'ai pas pu vous le faire montrer, mais hors live, j'ai pu aussi, justement, aller. Justement, j'étais à Stranberry, en fait, tout simplement. J'étais à Stranberry, ici, hein, bien sûr. Et j'ai vu le maire. Et justement, j'ai pu récupérer sur lui. La feuille que je vous ai parlé, justement, que apparemment le maire il fait des trucs genre du trafic, tout ça, à sa ville. Et justement, pendant le. Enfin, hors live, hein, bien sûr, j'ai pu récupérer son affiche, enfin, son papier en tout cas. Et justement, je vais pouvoir vous le lire normalement dans les lettres. Et c'est la lettre de Belinda au maire Timmins. Voilà. J'ai pu le récupérer, entre guillemets, je l'ai menacé, hein, bien sûr. Vous en doutez. Et du coup, on va lire. Alors, ça se peut que je me trompe parce que je dis trafic, mais ça tombe, c'est autre chose. Mais je sais que c'est en rapport avec sa ville. Bon, voilà. Alors, lettre de Belinda au maître. Enfin, au maire Timmins. Maire Nicolas Timmins, Stranberry, Bing Valley, West Elizabeth. Cher Nicolas. Je pense que c'est ça, Nicolas. Enfin, je crois que c'est Nicolas. Voilà. Je t'en prie, écris-moi, je pense souvent à toi. Je me demande si tu vas bien et j'espère que tu es heureux. Je connais tes sentiments à l'égard de papa et maman. Mais c'est injuste de me punir, moi aussi. Je ne sais toujours pas ce qui s'est vraiment passé à Princeton, ni pourquoi toi et cet autre professeur. J'ai oublié son nom, vous êtes parti si vite et je ne veux pas le savoir. Je veux juste que mon frère revienne. Ce garçon si prévenant qui me fardait les joues et me tressait les chevaux il y a si longtemps. J'ai vu des photographies de Big Valley à la bibliothèque et ça a l'air très joli. Mais j'ai vraiment du mal à imaginer un citadin comme toi vivant à la dure dans les montagnes. Nos soirées au théâtre me manquent beaucoup. J'espère toujours pouvoir venir te voir, mais les affaires financières de Brins sont au plus mal. Parfois, je me dis que j'aurais dû suivre ton exemple et ne jamais me marier. Je t'aime, Belinda. Ah, c'est bon, les histoires d'amour. Alors, oui, je me suis trompé, les amis. Je crois que c'était vraiment un trafic. Mais, non, en fait, c'est une histoire d'amour, quoi. C'est vraiment une histoire d'amour entre lui et puis... la femme, quoi. C'est mignon. Franchement, c'est mignon. Après, c'est comme ça. C'est leur choix. Hein. Bon, en tout cas, c'est le choix du mec. Voilà. Du coup, voilà, les amis. Voilà, voilà, voilà. On découvre beaucoup de choses. Ça, c'est bien. Non, j'ai pas le temps de faire une course. Oh, lui, mais à chaque fois, il me harcèle avec sa course. Non, c'est bon, elle est refusée. Pas pour l'instant, l'ami, plus tard. À chaque fois, je le refuse. À chaque fois qu'on le voit, je refuse. Là, ici, ça doit être un genre de camp de militaires ou je ne sais plus. Enfin, je sais trop quoi. Un genre de camp, voilà. Alors, je pense qu'il y a des trucs à voir dedans. Enfin... En tout cas, dans le camp, à l'intérieur, je pense. Oula, je vais tout casser, moi. Alors, je ne sais pas si... on peut l'examiner. Je pense pas. Je ne pense pas du tout... On va les fouiller tranquille. Alors, on dirait un camp indien plutôt. Ou je sais pas, un genre de camp militaire. C'est dur à dire comme ça, mais je pense qu'il y a une lettre, les amis, à l'intérieur.
Je pense. On dirait une salle de classe ou je n'en sais rien. C'est assez bizarre comme endroit. Ah voilà, lettre. Je savais qu'il y avait quelque chose. Alors, page d'exercice d'orthographe. Ok. Ouais, en fait, c'est... Ouais, je vois un peu le délire, ouais. Ou punaise. Y'a de ça à dire. Ah ouais, en fait, y a rien de... attendez. Wago, Angli, bleu, Zephyr, ID, One Key. Oh, punaise, c'est quoi de ça? Attentif, argent, rare, ration. Ouais, c'est... Ça veut dire... Ça... C'est quoi ce truc? Victoire, espoir, colère, libre, serpent, oublié, utile, fin, fatalité, lire. Oh, punaise, c'est quoi ce truc? Sans vagabond, infidèle. Alors, je lis comme ça, hein, vite fait. Ignorer, l'ampli, l'école, infreindre. Ah ouais, c'est vraiment chaud patate en fait, leur truc. Ça veut rien dire en fait. Ok, bon, on va pas tout lire parce que là, j'avoue que. On va s'endormir, je pense. Mais je ne sais pas s'il y avait justement autre chose. Il me semblait qu'il y avait autre chose, mais je suis pas sûr. Bon bah je croyais. Voyons voir par ici. Ouais. Cigarette. Balle. Bon bah en fait, il n'y a pas vraiment grand chose à part une lettre assez what the fuck. Vous me direz dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, franchement. De cet endroit bizarre. Alors par contre, il y a des rats, j'ai vu. Alors c'est dommage, ils ne sont pas en parfait état. C'est dommage parce qu'il en faut aussi pour le trappeur. Bon, tant pis, c'est comme ça. Allez, et bah du coup les amis, c'est reparti pour le trappeur. On va donner ça tranquillement. Et faire un petit point aussi par rapport au trappeur, parce que oui, j'ai vu autre chose, hein, bien sûr, hors live, que j'ai fait, justement. Alors, par contre, ça serait bien que je l'ai. Voilà. Il me semble qu'il faut des plumes de faisan pour le trappeur. Justement, j'en profite. Alors bien sûr, hein, comme j'arrête pas de le dire les amis, vous savez qu'il y a certains animaux, pour pas trop galérer pendant les lives qu'on fait tout ça, je les fais hors live pour certains, pour pas trop galérer par rapport aux animaux, parce que vous savez que les animaux, j'arrête pas de le dire, mais c'est vraiment au hasard pour trouver en parfait état tout ça. Du coup, il y a certains animaux que je fais hors live, voilà, tout simplement. Je vais pas dire en ligne parce que bon, en ligne, vous savez que... Voilà, ça va être chaud pour trouver certaines espèces. C'est pour ça que j'essaie de trouver les plus durs. Et le reste, on va essayer de les faire ensemble. Histoire de, voilà, de profiter un peu, voilà, de voir autre chose dans Red Dead Redemption 2. Du coup, voilà. Ok, c'est bon les amis, c'est parfait. Et on va voir tout ça ensemble, on va faire un récap, entre guillemets, de tout ce que j'ai récupéré pendant le hors live. Voilà. Fourrure de bison, blanc, parfait, voilà, légendaire. Voilà, t'es content. Moi aussi, voilà, je suis content, voilà, parfait. Et on va voir un peu, les amis. Là, y a rien. Là aussi,
là aussi. Bon, après, il y a beaucoup de choses au niveau légendaire, comme vous pouvez le voir. À chaque fois, légendaire, 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 légendaire. Voilà, il y a beaucoup de trucs légendaires. Hein. Ah, voilà. Bison blanc. Ok. Voilà. Après, c'est beaucoup de trucs de ferme. Ça, on verra plus tard, les amis. Vous allez voir. Dans les prochaines parties. Alors, voilà, peau de cerf, voilà, parfait. On débloque quoi? C'est gants d'équitation en peau de cerf, voilà, parfait. 5$, ça va. Ok. Peau de cougar. Peau d'ours noir. Ok. En plus, il en faut deux. Parfait. Voilà. Et c'est tout, les amis. On va aller voir aussi dans les vêtements. Écureuil. Parfait. Rat, mouton, serpent. Fourrure d'antilope. D'opossum. Voilà. Le condor. On s'en verra plus tard. Vautour. Mouette. Merle. Dinde d'Amérique. Tatatif. Un plume de jaseur d'Amérique. Plume de... gay bleu, ouais, j'ai bleu, enfin, ouais, ça, j'ai bleu. C'est des gay bleus ou des gay bleus qu'on appelle ça, des gay... C'est des gay bleus, je pense, qu'on dit comme ça. Alors ça, je les ai d'appuyer, de fabriquer, parce que je sais qu'il en faut plein. Justement, des gay bleus. Du coup, bah, je pense que... On va pas le faire tout de suite, ça. On va attendre. Ça, on va le... Bah, ça, c'est fait. Plume, hibou, faisant, on va le faire. Voilà, c'est des petites plumes, hein, voilà. Accessoires judicieux, voilà, je crois que c'est ça, voilà. Et c'est tout, je pense, les amis. J'ai en train de regarder un peu comme ça, mais voilà. Quoique... J'hésite en fait parce que je vais peut-être l'acheter. Allez, bon, on verra ça plus tard. Enfin, on verra. Je vais le fabriquer, mais j'en suis sûr qu'il y a aussi autre chose par rapport aux plumes de jet bleu. Je pense que quoi que. Allez, on va le fabriquer quand même. Allez, hop. Voilà. Parfait, les amis. Et ben, comme vous pouvez le voir. Hein, on a presque tout, hein, même dans les ensembles de vêtements. Nous y sommes presque. Du coup, voilà, les amis. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Panthère, alligator, ça, c'est les selles. Hein. Ok. Bah voilà, les amis. J'espère que... on va s'arrêter là. Bien sûr, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez kiffé cette partie qui était vraiment quand même incroyable. Hein, ça nous change un peu. Hein, on a vraiment, c'était vraiment une partie vraiment d'exploration, tout ça. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez dire dans les commentaires, hein, n'hésitez pas. Il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Et du coup, je vous dis à plus tard pour la suite, pour la partie 20 de Red Dead Redemption 2, les amis. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao!